Bonjour, c'est Cyprien, vous regardez le 12 Info du lundi 26 septembre 2011. Et pour commencer, une petite astuce, comme ça, gratuitement. Si un jour, on vous a volé une roue de vélo, ça arrive, eh bien, c'est pas grave. Pas pour les Chinois, en tout cas. Faudra qu'on m'explique comment ils freinent, par contre. Hein, parce que j'ai pas trop compris le... Bref, on va commencer les news avec l'info insolite du jour, puisqu'une petite ville de l'Alabama aux États-Unis a trouvé une solution originale pour les criminels. Soit ils vont en prison, soit ils vont tous les dimanches à l'église. Normal, hein, bien sûr, ça ne s'applique qu'aux criminels non violents, et ils ont le choix, ils peuvent choisir. La prison, le dimanche à l'église, ah, je sais pas. Hein. Bon alors c'est soit la prison, soit tous les dimanches à l'église pendant un an. Ah, j'ai peut-être un petit effort quand même. Ok, d'accord, deux fois par mois à l'église. Parce que j'ai vu les cellules, elles sont super sympas, hein. Du béton, des barreaux. Bon, ok, tu vas à l'église pour Noël et je te file 20 euros de ma poche, c'est bon? Je vais à l'église pour Noël, 100 euros et une barrette de shit. Et là, on n'en parle plus. Non, mais ça va. On doit bien se trouver tout ça. Allez, c'est bon, ça marche. Ça fait plaisir de travailler avec vous. Je vais aller brûler une voiture. On se dirige maintenant au Brésil pour une nouvelle beaucoup moins marrante, puisqu'une plage au nord du pays a vu beaucoup de baigneurs, ça c'est normal, mais aussi beaucoup de piranhas. En effet, une centaine de baigneurs se sont retrouvés à l'hôpital le week-end dernier parce que ces piranhas ont commencé à leur manger les doigts de pied, tout simplement. Cette surpopulation de poissons carnivores viendrait de la pêche clandestine du trairas. C'est un poisson qui mange en temps normal les autres piranhas. En tout cas, il semblerait que personne ne soit mort. Juste un petit peu grignoté. Mais où est-ce qu'il est? Tout le monde l'attend, on doit partir là, Max. Ah, il est dans l'eau encore, qu'est-ce que. Où est-ce que t'étais? Ça fait 15 minutes que tout le monde t'attend là. Bah oui, mais j'ai eu un problème, j'étais dans l'eau et puis à un moment j'ai eu plus pied, alors. Ah oui. Je te range un glacier? Et nous terminons avec l'avancée technologique du jour. Des chercheurs d'une université de Californie ont réussi à retranscrire des images qui sont reçues par notre cerveau. À gauche, la vidéo vue par les cobayes et à droite, la reconstitution de l'image de notre cerveau par un ordinateur. Bon, c'est encore un petit peu flou, mais cette technologie serait capable de mettre des images sur des rêves, des pensées, tout ça quoi. Bien joué les scientifiques pour le coup. Voici ma nouvelle invention, mets ça sur tes tempes et pense à quelque chose, vas-y. Ok. Pense à autre chose que ma femme, s'il te plaît. Attends, je me concentre. Pourquoi tu penses à ma mère, là, exactement? Ah, pardon, excuse-moi. Attends, je pense à toi, là. Je pense à toi. Voilà, là c'est très bien comme attends, ça. Attends, c'est pas fini. Ouais. Non, mais si t'es pas sérieux, c'est pas la peine, hein. Ça m'a pris des années à inventer ce truc-là. Ça va. Le 12 Info est terminé pour aujourd'hui. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça, là? Oh, mais je veux essayer, moi aussi! Laissez-moi arriver, j'arrive! En fait, non, hein, je vais peut-être pas essayer, à demain.